Y'a plein de potes et bien qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, je suis très heureux de vous retrouver après avoir pris pour la première fois depuis plusieurs semaines un petit 2 jours de pause pour moi. Ça m'a fait plaisir, frère, et surtout ça m'a fait plaisir, mais genre doublement, parce qu'il y a eu pendant ces 2 derniers jours un phénomène qui arrive de temps en temps en hiver appelé la neige et qui me fait très très plaisir, frère. Alors ok, certes, hein, avec tout ce qui est couvre-feu et autres restrictions diverses et variées, j'ai pas pu trop en profiter, mais moi je fais partie de la petite team qui sait apprécier ce petit phénomène météorologique et qui n'est pas un gros rabat-joie aigri. Gna gna, ça fait de la boue, c'est sale, il fait froid, c'est chiant. À vous faire foutre, frère, soyez heureux un peu une fois dans vos vies, non? Et oh, prendre des grosses boules, mettre un caillou dedans, les jeter sur les gens. Alors ok, ce que je viens de dire c'était peut-être dangereux. Je dis pas que je l'avais pas fait en primaire, je dirais plutôt que ça a pu me valoir des ennuis des fois. Et ne répétez pas, bien entendu, cette opération chez vous. Bref, la neige m'a fait plaisir, on se retrouve du coup aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops Cold War, hein. La petite transition se fait d'un instant à l'autre. Il y a un nouvel opérateur, je viens de le prendre, il est archi stylé, hein. La boutique Call of Duty a encore eu des codes points de la part de Zach, mais surtout pour pouvoir aujourd'hui jouer à une arme spéciale, vous la voyez là contre le mur, j'ai décidé de prendre le katana et d'aller tahar un peu 2-3 personnes. Alors je sais, les plus franches fouillards d'entre vous ne sauront pas ce que veut dire tahar. Tahar, c'est l'opération qui consiste à t'enlever la peau du gland et qui est la circoncision. Donc en fait, j'ai fait une classe spéciale, on va courir dans Nuketown et on va tahar les gens les uns après les autres jusqu'à qu'on en ait marre, en essayant de faire bien entendu le meilleur score possible. Voilà, je vous ai détaillé mon plan, c'est les concepts de Zach, c'est super, j'espère que ça va vous plaire et j'ai plus qu'à vous dire let's go baby. Hop 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 hop, regardez-moi ce couteau, regardez-moi ce... ce petit katana. Ouais, non, 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 non. Excusez-moi, il y a flow, il y a flow, il y a flow. Je suis obligé de le dire, il y a un petit peu de flow. Alors là, c'est un peu chiant parce que je vais être en match à mort par équipe. Donc, niveau cohérence des spawns, ce sera pas super, super. Hop là, let's go. Niveau cohérence des spawns, ce sera pas super, super. J'ai adapté la classe au total. Hein. J'ai aussi pris une hache de combat. Hop, oh non. Je me suis fait voler un kill facile. Il y a des gens en dessous, en bas à droite et en dessous. Aussi en dessous, derrière. Non, tu as tué. Oh le fils de... Ah ça va être chiant. Moi j'ai envie de coloniser la maison de Nuketown. Tu sais, il y a toujours des personnes qui me disent: mais Zach, tu fais comment pour faire tes défis à bout portant avec les fusils, les mitraillettes, c'est trop trop chiant. Alors oui c'est chiant, mais il y a quand même des solutions. Voilà, qui existent. Avec deux. Quelqu'un d'autre. Non, merde. Non. Aïe 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 aïe. Croyez-moi, quand t'es au couteau, frère, chaque kill va à de la valeur, faut pas rater des choses. Donc oui, la maison de Nuketown, pour tout ce qui est défis importants et toutes ces conneries, c'est inestimable. Donc faut pas hésiter à l'utiliser et même la surexploiter. Aïe, ah, frère, je suis... Oh, il était nul, lui. Mais mes alliés, faut que vous me laissiez les kills, s'il vous plaît. Hop, regarde, hop. On se cache. Il y a un mec là-bas. Il y a un mec à ma gauche aussi. Non, merde! Je rate des visibles faciles, je suis bidon! En plus, ça fait 2 jours que j'ai pas joué, j'avais envie de tester le phénomène. Enfin, pas le phénomène, le théorème. Vous savez, le théorème qui dit, si tu ne joues pas pendant 2-3 jours, tu peux recharger tes chakras et revenir avec un niveau meilleur. Oh là 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 là. Alors bien sûr, l'entraînement, tout ça, machin, c'est très important, mais je valide normalement ce théorème. C'est vrai que à des moments, si tu ne joues pas un jeu que tu squattes habituellement pendant 1 ou 2 jours, il y a moyen que, tu vois, ça te recharge mentalement et tu puisses te la redonner et être encore meilleur qu'avant. Bon, c'est paradoxal, mais je suis sûr que ça peut marcher. Monsieur, on meurt dans son coin, s'il vous plaît. On met une petite fumée au mid. Hop, histoire de causer des troubles. On attend ici, ça va être à ma droite. Mais je suis naze. Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis nul. Non, putain. Quelle honte! Quelle honte, monsieur! Ça se dit ancien joueur professionnel! Eh, paradoxalement, là, je suis encore en plein... Nostalgie janvier, vous l'avez compris. Je vous fais des vidéos sur tous les différents Call of Duty que je trouve. J'ai oublié Call of Duty 4, certains me l'ont fait remarquer. Je vous ferai un rattrapage. Ce sera un nostalgie janvier. Aïe. Rattrapage, d'accord? Ce sera un qui va rattraper un jeu que j'ai oublié dans mon rythme, à savoir Call of Duty 4. Donc je vous le ferai. Et en plus, il y a du monde sur Call of Duty 4. J'ai été choqué de voir autant de monde sur cette petite licence de 2007. Mais oh non! De 2007, les gars! Et donc, je vous le calerai en plein milieu d'un des jeux parce que pour l'instant, j'ai téléchargé Advanced Warfare sur PC. Et ça va être la galère. J'ai l'impression que ça va être la galère parce que je trouve pas de partie. Alors peut-être que les serveurs sont buggés, peut-être que j'ai un petit souci, moi, de mon côté, mais ça ne fonctionne pas. Donc s'il y a des solutions... tu sais, genre, j'en sais rien, un IW8X, là, comme ça, pour jouer à Advanced Warfare, qui existe, ben, sachez que je suis grandement... Que je suis grandement premier. Attends. Il y a quelqu'un à l'intérieur de ça. On va attendre que ça passe.
Zach, on ne choque pas. Je suis à combien? 7-9. Ça va. Franchement, 7-9, 7-10 maintenant, pour quelqu'un qui joue pas à l'arme, c'est pas si horrible. Je connais des gens qui jouent à l'arme qui font pas ce genre de score, hein, qui font des scores bien pires que moi. Ok, y a quelqu'un là-dedans. Oh merde. Oh, j'ai été naze. Oh, j'ai été naze! Mais j'ai été naze! Moi, je veux tahar les gens, je veux pas leur jeter des haches de combat, mais j'ai pas le choix, frère, c'est horrible. Attends. Ah, nice. J'ai la position de tout le monde, j'ai la position de tout le monde, les mecs. Nice! J'ai tué le mec qui avait le putain de machin là. Je monte, y'a quelqu'un au top. Regardez, ça c'est un free kill ça. Ça c'est un free kill, j'ai dit. C'est un free kill. Hop là, free kill on a dit! Free kill, j'aurais même pu en prendre un troisième. On réenchaîne, on repart chez eux. Je rajoute un avion espion par-dessus ça, on va gagner. On va gagner malgré Zach qui joue à la hache, ça fait plaisir ça. Attention. Hop. Oh non, je peux pas passer le mid, frère. Encore, là je peux pas passer le mid-map. Ils sont tous chez eux, ils sont trop prostrés. Là si j'essaye d'aller chez eux, je vais manger le gang. J'ai hâte de prendre le kill en tirant dans son C4. Ah le blaireau. Ah le blaireau. Hop, tac, regarde, fumi. Tac, bien. Non, sa grand-mère. Ça m'énerve. En fait là j'essaye de m'adapter au fait que je peux pas passer le mid-map, mais c'est dur. Y'en a juste là à droite. Aïe. Hop, fumi. Plus qu'un kill et on gagne. Ça sera fait dans un instant. Non, si c'est moi qui finissais la game, ça aurait été magnifique, attention. Reposez des C4 à vos pieds là. Je me rappelle la vidéo Call of Duty Ghost avec les C4 qui se mettaient automatiquement, la bande de petits bâtards. C'est bien en fait. Ah ouais, non mais ça joue aux pompes. Ah nice, vas-y monte. Ça va, c'est une kill cam qui est validée par la street, Zach dit oui. Let's go baby. Non, j'aurais kiffé commencer avec un petit schlassigno là comme ça. Ouais, ok, c'est bon, attends, je passe, je suis passé. Non, j'ai voulu anticiper. Non, il est monté au hasard le petit bâtard. J'ai voulu anticiper, je me suis dit il va monter, j'envoie le coup de schlasse comme ça au hasard, ça va le faire. Bon les gars, en ce moment j'ai dû lancer des boîtes, et le fait que j'ai lancé des boîtes, ça m'a aidé. Déjà pour faire de l'administratif de merde, sachant que je déteste faire de l'administratif. Vraiment faire de l'administratif et des papiers, c'est ma phobie mon gars. Donc j'ai lancé des boîtes et surtout ça annonce l'arrivée d'un truc que je vous ai dit. Et donc il devrait arriver, je le pense, d'ici un mois et demi. Ça va être le motherfucking, les motherfucking locaux. Les putains de locaux. Je veux des locaux et j'aurai des locaux, je l'espère, d'ici... Je sais pas où ils sont les mecs. Non, j'aurais peut-être dû commencer à le chasser là comme ça. Donc ça annonce l'arrivée des motherfucking locaux. Je vais vous faire en fait une série de vlogs. Genre pas route tout entrepreneuriat ou vive Macron, tu vois, des trucs comme ça. Non, ça c'est bon, on va pas commencer à instaurer de la politique dans nos vidéos. Plutôt, je vais vous montrer une petite série. Alors comme ça on a peur. Alors comme ça on a peur. Non, arrête de prendre ton pompe, connard. Oh ouf. Ah, ça va plutôt être une série où je vous montre la sélection des locaux, le prix, où est-ce qu'on est placé à peu près, comment ça va se passer le décor intérieur, et ainsi de suite. Et ça va vous hyper énorme, ça devrait arriver, je pense, niveau, je sais pas, février, mars, quelque chose comme ça. Je vous jure que c'est fun comme mode de jeu, c'est pas celui où on fait le plus de kills, mais c'est fun comme style de jeu, pardon. S'envoyer petit coup de schlasse devant tout le monde, ça c'est petit kiff. Attends, on va essayer de les flanquer. Je suis Jean Flanque, regarde. Hop. Non, merde. Jean Flanque est attendu. Jean Flanque est dans la merde. Viens petit. Fils de pute, je l'ai pas entendu. Schlasse dans ta mère.
pas. Non, mais c'est trop. En plus, j'en ai marre, ça me fait trop rager, ça, ce truc de la boutique, là, les putains de balles violettes, vertes et tout ça, ça me rend ouf. Oh, vraiment, ça, c'est le truc que un des trucs que je déteste le plus dans ce putain de jeu. Vraiment, les putains de variantes avec des balles violettes, t'as l'impression c'est Star Wars, gros, ça me rend malade. Genre, ça me trigger encore plus quand on me tire avec ces trucs, ça fait de la lumière partout. Je suis épileptique, gros, ça me rend malade. Dégage, toi, connard. Déjà qu'on a assez de camo violet, de dark matter, de toutes ces conneries, en plus, vous nous rajoutez des camos. Pas des camos, mais des balles. Des balles violettes, mais c'est malade, ça. Coup de gueule de Zach, fuck les balles violettes. Arrêtez-moi ces merdes, là. Non. C'est exactement ça. Dégage. Non, je l'avais. Qui veut être tard? Dégage, monsieur. Deux, ça va être deux. Non, mais je suis repéré de partout, c'est horrible. Je pensais l'avoir encore. Non. J'essaye de contester le point à ma manière, mais c'est pas toujours facile. En plus, j'essaye de convertir des gens. Eh, hey, venez vous faire circoncire le zeb. Rentrez dans la team circoncis. Mais ça ne peut que vous aider. Ça ne peut que vous mettre bien, là. C'est bon, il n'y a plus de décalotage et de fromage de bite. Hein. Un peu d'hygiène, les amis. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi dans cette équipe. Dégage. Deuxième fois qu'on tue la machine de guerre. Deuxième fois que j'arrive à tuer la machine de guerre alors que je joue au putain de couteau. Vive ce cana, vive ce katana. Aïe. Ah. Il est là. Fils de pute, va. Dégage, quand t'as pas la machine de guerre, c'est pas aussi simple, connard. Encore un, y'en a un au top. Oh non, je suis passé au-dessus de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, mes genoux, ils ont touché son front, putain. Il y en a un dans le coin. Je crois que je t'avais pas vu, connard. Oh non, mais c'est des... Un nouveau candidat? Juste là, les amis? Nouveau candidat? Quelqu'un d'autre? Un nouveau candidat? Un autre? Un autre, monsieur? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut faire couper la peau du gland? S'il vous plaît! Je recherche des témoins! Je recherche des gens qui le veulent! Comment ça s'appelle déjà? Des volontaires, s'il vous plaît! Et là, je saute. Boum. Non, merde, si j'ai une vision un peu plus à droite, je l'avais! Dégage. Dégage! Un autre à ma gauche. Dégage! Quelqu'un d'autre? En plus, on est en train de se faire remonter, hein. On est en train de se faire remonter, putain, on perd alors qu'on était en train de gagner large! Y'en a un autre top chez nous. Connard! Non! J'en ai marre des fusils à pompe! Laissez-moi tranquille, rentrez dans le poids, les amis! I don't want to lose! Boum! Restez dedans! Ah, cousin! Ah non! Ça marchera pas, putain. Oh, le kill était important. Zach est dans le next déjà. Zach est dans le next. Je joue la win là. Genre là, j'étais pas sur lui. Zach joue la win, on a dit. On va repasser devant. Boum. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal, sa mère. Double C4. Non, on a perdu le point. Mais double C4, mais qui joue comme ça, putain? Mais quelle personne qui prétend au paradis joue de cette manière, connard? Putain, et on perd dans les bars. On perd. Mais après, j'avoue que c'est pas facile, parce que là, ils étaient un peu en 4... Quoique, j'ai dit en 4v5, je fais 33-45, hein. 33, ouais. Bah lui, il fait 28-43 en jouant que à l'arme. Je pense que je m'en sors un peu mieux que cet individu. Bon, on perd de 3 points, c'est pas dramatique non plus, mais bon, avoir tryhard de cette manière... Ça révèle des gens quand même un petit peu insécures, si vous voulez mon avis. Bon, bah voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous!